ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'attarder sur des figurines. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a des magnifiques blisters. Il s'agit de la version des agents de masque en civil, donc par Cliffhanger. Des créations, bien entendu, inspirées des moldes originaux en ce qui concerne les visages pour les figurines, mais on a ici des représentations des agents de masque en civil, c'est juste trop génial. Et en plus de ça, on a pour chaque personnage un petit gadget qui le caractérise. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc là, il s'agit vraiment de création, hein, de A à Z, que ce soit le blister ou les personnages. Et ensuite, restez bien jusqu'au bout de la revue, puisque ensuite, je vous montrerai ce qu'est capable de faire Cliff en termes de reproduction. Et c'est très très intéressant. Donc aujourd'hui, on ne va faire que de la figurine. Hein. On va s'attarder vraiment que sur les figurines. On commence donc avec les blisters. Et le premier que je souhaite vous montrer, c'est celui qui est un petit peu à part. Il s'agit donc ici des agents de Venom. Alors, ce ne sont pas les agents que nous, on connaît, qui conduisent des véhicules. Non, ce sont les sous-fifres. Hein. ils sont juste terribles. Alors, on voit ici, déjà, à travers le blister, hein, la finesse de la peinture et du mold des personnages. C'est juste hallucinant. Et même les visages. Hein. C'est excellent. Voilà, donc là, il y a la petite étiquette hein, qui précise. Et on a une superbe illustration ici en fond des agents de Venom qui attaquent Boule de Ride. C'est juste génial. Venom Troopers avec masque multifonction. Voilà, et les masques sont là. C'est clairement génial. C'est vraiment génial. Et quand on tourne les blisters, ici on a les références au niveau du dessin animé. Et ça, c'est juste énorme. Et c'est expliqué ici, donc, hein, ce que je vous disais, ce sont les hommes de main de Venom. Ils servent souvent de manutentionnaires pour porter, bloquer ou apeurer et diriger de pauvres humains en détresse. Ils sont parfois masqués, mais n'ont aucun pouvoir. Voilà. Génial. Et ici, on a la fameuse gamme que présente Cliffhanger, les agents Civil Series, ce qu'on va regarder nous, le T-Bob, et le Venom Trooper, ce qu'on vient de regarder. Et ici, on a, ceci est un jouet custom. Voilà, c'est important de le préciser, mine de rien. Et puis ici, on a ce qu'on pouvait retrouver à l'époque sur les blisters. C'est sympa. Vraiment la grande classe. Donc avant d'attaquer les vrais modes civils, on a ici le blister de T-Bob et Scott. Toujours le manoir Tracker en fond ici, là. Ce qu'on verra sur les blisters civils, avec une illustration de Scott et T-Bob, très sympa. On a donc le logo masque ici. Ici donc T-Bob, deux figurines articulées, 4 ans et plus. Et les figurines, donc on a Scott hein, qui est à la bonne échelle ici, vous voyez. Avec un joli design là au niveau du t-shirt. Et puis le T-Bob, très, très accurate en l'occurrence. Mais qui ne se transforme pas du coup. Voilà, donc vraiment sympa. Et puis toujours derrière, donc on a la gamme. Et ici, on a le rapport au dessin animé. Donc des illustrations tirées du dessin animé. Et bien entendu, pour chaque personnage, on a un petit laïus en anglais et en français. Ici, on attaque donc vraiment les agents Civil Series. Donc le logo masque, ici il est indiqué donc, dans plusieurs langues, avec les accessoires respectifs, et ça c'est trop fun, hein, faut bien se le dire. À partir de 4 ans toujours le manoir Tracker en fond, et ici toute l'équipe, tous les agents civils, une belle illustration, et la montre ici, trop sympa. Donc dans ce blister nous avons Calhoun Burns et Ace Riker. Donc Calhoun possède un ranch, hein, et c'est pour ça qu'il y a un chapeau, trop stylé. Et possède un magasin de bricolage, et donc du coup on a une caisse enregistreuse et un tablier. C'est excellent. Les figurines sont vraiment très 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 jolies. Hein. Très bien réalisées. Bien entendu, au dos, on a les illustrations des personnages et les laïus correspondants, vous voyez. Très stylé ces blisters, hein, vraiment. Il y a énormément de taf hein, derrière ça, hein, faut bien se le dire.
Donc toujours hein, dans la gamme des agents civils Series, toujours avec des accessoires respectifs. Cette fois-ci, nous avons Julio Lopez et Jacques Lafleur. Donc Julio Lopez est professeur, enfin, est un physicien. Voilà. Donc c'est pour ça que il a un microscope ici. Excellent. Et Jacques Lafleur, alors il y a marqué charpentier ici. Il me semblait qu'il était bûcheron, mais pourquoi pas. En tout cas, très très bien réalisé, encore une fois, les figurines, que ce soit les visages ou les costumes, c'est juste énorme. Et bien entendu, il a une hache. On va parler avec lui, hein. Et au dos, bien entendu, les laïus pour chaque personnage et les identifications en rapport avec le dessin animé. Stylé, vraiment stylé. Ici, nous avons Bruce Sato et Dusty Hayes. Toujours avec les accessoires respectifs. Alors, Bruce, comme on peut le voir souvent hein, dans le dessin animé, au moment où ils appellent les agents, enfin où Matt Tracker appelle les agents, c'est un créateur de jouets, donc c'est pour ça qu'il a un petit robot, vous voyez, c'est génial. Et Dusty, donc Pizzaiolo. Il fait également du rodéo. Hein. Voilà, c'est un cow-boy, Dusty. Et vous voyez la pizza ici. Énorme. Énorme. Voici donc, on a Bruce ici, hein, voilà, dans sa tenue civile, et Dusty, et les Laïus correspondants. Alors là, on commence à rentrer dans du très très lourd, enfin là, c'est mon avis hein, que je donne, avec des personnages phares. On a donc ici Brad Turner, dans sa tenue de rockstar, hein, et Buddy Hawks, dans sa tenue de mécanicien, donc son bleu de travail. Une figurine que j'aurais bien aimé voir avec le Kencher ou surtout le sous-sol de Bouledorine. Surtout le sous-sol de Bouledorine en fait. Donc, Brad a une guitare. C'est juste de la boulette. Et ici, Buddy a sa petite clé là pour bricoler les voitures. Excellent, vraiment excellent. Alors après, bon voilà, c'est sous blister. Je sais pas s'ils peuvent vraiment tenir leurs accessoires, puisque les bras ne sont pas articulés au coude, et puis les mains ont l'air plutôt, comment dire, statiques. Mais voilà, c'est vraiment sympa d'avoir les accessoires, quoi. C'est trop classe. Et puis la version civile est très très bien réussie, hein, vraiment. C'est énorme. Et bien entendu, derrière, toujours le rapport au dessin animé. Ici, Brad avec une guitare et Buddy en train de réparer une voiture. Et les Laïus correspondants. Ici, nous retrouvons Gloria Baker dans sa tenue de professeur de Kung Fu, en kimono donc. Très très bien réalisé, Gloria. Et ici, on a bien entendu Hondo McLean, professeur d'histoire. Et donc, pour concrétiser ça, matérialiser ça, ici on a ce qui semble être un nunchaku. Me semble. Peut-être me trompe-je. Et bien entendu, on a un livre, un bouquin pour tout prof qui se respecte. Excellent. Et derrière, de nouveau, des images de l'anime et des laïus correspondants, à savoir qu'on a à chaque fois quand même des beaux historiques des personnages. Vraiment un super job sur ces blisters, hein, que ce soit le contenu ou le contenant, c'est énorme. Et voici le dernier, et en ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment du très très lourd celui-ci. Matt Tracker, donc le patron de Mask, vous voyez, dans son fameux costard bleu. Voilà. Et on a Dwayne Kennedy, donc Dwayne Kennedy qu'on voit apparaître dans quelques épisodes, type la Statue de la Liberté, hein, et qui est donc à la tête de l'espèce de l'ONU, finalement, pour la paix des nations. Moi, je crois que c'est un truc comme ça, l'Organisation pour la paix des nations. Donc, on le voit dans quelques épisodes, soit sur l'écran de l'ordinateur masque, soit au téléphone, soit en vrai. Dans la Statue de Liberté, ils sont véritablement en contact. Je trouve ce blister génial parce que, en plus de ces superbes figurines, parce que bon, on a Matt Tracker en costard, on a ce personnage-là qui est quand même très intéressant, et on a surtout, vous voyez. Déjà l'ordinateur de Matt Tracker, ça c'est juste fabuleux hein. Et a priori il peut se replier hein, sur lui-même
énorme. Et on a le téléphone hein, pour Dwayne. C'est vraiment la grande classe, ces blisters. Voilà. Et bien entendu, comme pour les autres, on a des images de référence à l'anime. Et puis, les petits laïus correspondant à chaque personnage. Donc, un bel historique, encore une fois. C'est vraiment très, très stylé, hein, ces blisters. Très, très stylé. Voilà, donc, en première partie de cette revue, je vous ai présenté des créations intégrales hein, donc de Cliff Dagger. Ces superbes blisters, hein, tout est une création originale. Le blister en lui-même, les figurines, les accessoires, enfin, voilà. À noter quand même, pour ceux qui ont remarqué, c'est que tous les personnages ont une montre masque au poignet. Ça, c'est juste trop cool. Donc, dans cette partie, je vais vous présenter les repros de masques que fait Cliff. Donc, je précise bien les repros de masques, hein, puisque je vais bien entendu vous les présenter sur les figurines qu'elles concernent. Mais les figurines sont des figurines originales, hein, bien entendu. Pourquoi ? Parce que les masques ont tendance à s'abîmer avec, avec l'âge et... Donc voilà, l'idée de Cliff, c'est de pouvoir remplacer ses masques et même de les optimiser. Alors, le premier qu'on regarde ici, c'est celui qui m'a sauté aux yeux la première fois, c'est le masque du Mayhem du Laser Command. Voilà, donc le Viper coloré en rouge. Hein, et bah, voilà, il est juste terrible, quoi. On voit hein, que ça a été redesigné, hein, c'est pas seulement une copie. Ici, on a le masque de Clutch Hawks, hein, donc du Wildcat. On remarque ici, hein, bien entendu, que ce n'est pas sur un support transparent, hein, c'est un plastique gris. Et donc, de ce fait, on voit la recoloration ici en bleu ciel qui ressort super bien. Mais on voit aussi que le mold a été optimisé également, hein, que ce soit ici au niveau de l'arrière du cou et ici au niveau de l'avant. Hein, c'est vraiment, il est terrible ce masque, trop bien réalisé. Et vous voyez, hein, la tête de Buddy en dessous, hop, on met le masque dessus. Et ça se met super bien. Ici, Hondo. Bon, moi, j'aime pas trop cette figurine. Le masque, ici, donc, très, très bien fait également. Hein, très belle copie. Je le trouve un peu plus sombre que l'original, celui-ci. Mais voilà, ça passe bien. Alors, ici, on a Boris. Je vais en profiter pour prendre l'original. Voilà. Enfin, s'il veut bien sortir. Merci Boris. donc, le fameux masque de Boris, camarade, on voit une grosse différence de design ici, déjà à partir du col. On voit qu'il a été redesigné un petit peu, hein, et les peintures sont vraiment plus nettes sur la repro. Vous voyez aussi qu'on a un gros espace à l'arrière comparé à l'original. Mais on voit, la tête d'ours ressort vraiment beaucoup mieux ici. Hein. Vraiment magnifique ce masque de Boris. On va mettre Boris à côté de son camion, voilà. Ici, alors, le Mayhem de Switchblade, donc le Viper, ici. On va faire un petit comparatif avec un original. Vous voyez que l'original voilà, n'est pas à la bonne taille, donc il a du mal à rentrer. Ce qui n'est pas le cas hein, du Viper en repro, puisque le Viper en repro a été redessiné, hein, ça se voit, clairement. Donc, beaucoup plus de détails au niveau de la peinture. La collerette est beaucoup mieux dessinée que l'original. Et puis, les couleurs sont vraiment flashy. Hein. Voilà. Et on a ici, donc, la team Goliath. Alors, je vais récupérer le mat tracker original pour qu'on fasse un petit comparatif de son masque. Voilà. Hop. Alors... Alors là, c'est flagrant. Déjà, on regarde à la collerette. Déjà, c'est beaucoup plus net. Ça va mieux dans la continuité du personnage que l'original, je trouve. C'est mieux dessiné. Mais alors, surtout, hein, la partie visière et foulard est carrément plus nette sur la repro. Hein. Et la visière ressort super bien. Très, très, très joli, ce masque. Je le trouve vraiment excellent. Très belle repro. Et puis donc, on a Nevada que je vais sortir du camion aussi, en espérant qu'il veuille bien venir également. Voilà. Alors ici, déjà il faut savoir que l'original c'est un masque un petit peu trop grand et qui a tendance à beaucoup partir. Ici on a vraiment un masque plus fin, mieux designé aussi, beaucoup plus de détails au niveau de ce qui semble être les plumes.
Le bec est plus fin. Les yeux vont plus sur le côté. C'est très joli. Le bleu est vraiment bien choisi ici. Terrible. Encore une belle repro. Hein. Vraiment. Et moins large. Donc du coup, ça convient mieux au personnage, hein, je trouve. Vous voyez ? Vraiment classe. Ensuite, on peut voir aussi ce qu'est capable de faire Cliff pour des repros sur la gamme Split Second. Vous voyez ici pour le détonateur, par exemple. Le masque est juste terrible. Magnifique, hein, ce masque. Il n'y a pas. Et bien entendu, on a également les hologrammes qui vont avec. C'est juste génial. Même chose ici pour Fire Force. Avec cette espèce de casserole là sur la tête. Vraiment étrange ce masque. Superbe design encore une fois. Et puis les masques sont terribles. Hein. Très très bien réalisés. Ici Afterburner. Génial. Pareil, vous voyez les détails du masque. Hein. Et puis toujours l'équivalent en hologramme. Terrible. Excellent. Ici pour Dynamo, avec ce masque plus qu'étrange, on dirait un morceau de moto posé sur le corps du monsieur. Mais c'est magnifique, énorme. Bien entendu, Gloria Baker de Stiletto ici. Très très bien réalisé également avec son hologramme. Ici, le Bruno Shepard de Jackal. Magnifique. Avec son hologramme également. Tête de fusée, quoi. Vous voyez, ici, les détails hein, sur le masque. Ici, le Mayhem de Wolf Beast. Donc, comme vous le constatez, je n'ai pas l'hologramme, mais j'ai son masque. Énorme également. Un masque assez flippant. Hein. Ici, on a le Floyd Malloy de Vandal. Alors, de base, c'est vrai qu'il n'est pas extraordinaire, mais vous voyez que la repro est parfaitement réalisée. Donc, vraiment super bien réalisé, encore une fois. Vous voyez la finesse de la peinture ici. Excellent. Et pour finir avec les Split Second. Voici Matt Tracker donc de Skybolt. Le masque est juste magnifique. Différents blancs, du mat, du brillant pour le orange ici, pour la visière. Énorme. Et bien entendu son équivalent en hologramme. Ici on a quelques personnages des Adventure Pack donc proposés à l'époque hein, sous blister. On a ici Bruno Shepard. Ici donc avec un masque violet et rouge, très sympa cette formule également. Ici Jacques Lafleur avec un masque noir et jaune, ça fait très insecte, avec le jaune au niveau des yeux, terrible. Et puis Hondo ici avec un masque noir et rouge, plutôt sympa. Le noir de cette couleur pète bien comme il faut. C'est quand même impressionnant ce que peut proposer Cliff Dagger hein, en termes de repro, hein, tous les panels qu'il y a, c'est quand même quelque chose. Et là, ici, on a des figurines qui étaient donc vendues sous blister, qui sont juste des simples recolorations en fait des personnages. Donc là, on a encore Hondo et un super masque ici, vous voyez, ça claque. Hein. Là, le noir, on le voit bien là, en termes de visière, c'est excellent. Ici, on a de nouveau Bruno Shepard avec un masque ici noir et violet. Terrible. Ici, on a un autre masque de Jacques Lafleur ici recoloré. Si je reprends un Adventure Pack, vous voyez, celui de l'Adventure Pack, on a les yeux et le bout du nez hein, qui ont été recolorés. Mais bon, c'est bien sympa. Et pour finir, Matt Tracker de Volcano, et vous voyez là, ici la finesse des détails, que ce soit la peinture ou le mold, je suis fan de ce masque, je le trouve fabuleux. Des très bons choix de peinture en plus. Superbe ces repros, vraiment superbe.
Également pour vous montrer des modèles de masques qu'on connaît bien, ici on a le masque de Bruno Shepard pour Stinger, très très joli, vous voyez, vraiment net, hein. Super bien fait, la classe, c'est vraiment excellent quoi. Ici on a le masque de Matt Tracker de Volcano, cette fois-ci avec les couleurs hein, vraiment de qu'on pouvait trouver sur le masque du jouet. Excellent. Et donc, pour aller avec, on a également le masque de Jacques Lafleur hein, pour le Volcano. Terrible. Et pour finir ici, on a le masque de Cliff Dagger. Spécial dédicace. Très très bien fait également. Ça claque. Pour finir, la cerise sur le gâteau. Voici Buzard. Buzard. Vous avez dit Buzard. Alors, dans certaines versions allemandes, il n'y avait pas ce masque-là. Hein. Voilà, ça c'est une petite histoire que je vais vous raconter. Donc, il n'y avait pas ce masque-là sur certains conditionnements allemands. Alors, a priori, il n'y a pas d'explication pour ça. Vous voyez. Il y avait... Hop. Ceci. Donc, ce qui s'appelle les collideurs. Et ces masques-là donc remplaçaient ceci. Donc, sans explication, dans certaines boîtes de Buzard allemandes. Et donc du coup, de ce fait, hein, ces masques-là, les vrais, en l'occurrence, parce que là il s'agit de repro, les vrais sont très rares et donc très durs à trouver et également relativement chers. Hein. Mais là, vous les avez en repro du coup. Et donc on va pouvoir tester pour voir ce que ça donne. On clipse à la classe. Stylé. Ça, c'est sympa, ça. Alors, en plus, comme c'est mon véhicule Venom favori, vous voyez. Donc, les deux masques ont le même mold. Hein, il n'y a que la petite couleur là, qui change, hein, comme sur les autres, d'ailleurs. Mais vous voyez qu'ils sont très, très bien réalisés, hein, ces collideurs. Très, très jolis, ces masques. Ça va pas être évident à peindre, ça. Hein. Faut bien se le dire. Trop stylé. Du coup, là, vous voyez que les frères Mayhem, là, franchement, ils claquent comme ça. Voilà, bah écoutez, on a terminé cette petite revue. À savoir que les créations sont magnifiques. C'est-à-dire, les blisters avec ces figurines en civil à l'intérieur sont vraiment excellentes. Vraiment, il y a de la recherche, il y a du boulot là-dedans. C'est collector, quoi. Et c'est vrai que quand on les voit comme ça sous blister, voilà, on veut les conserver comme ça, vraiment. Parce qu'elles sont, terribles avec les petits accessoires. C'est super fun. Et puis, bah, il y a donc ces repros de masques hein, qu'on a vu. Vraiment un beau panel hein, de proposer par Cliff Dagger en termes de masques. Dont les collideurs hein, qu'on a vu tout à la fin. Vraiment très, très, très sympa ces repros. Et les masques sont vraiment terribles, super bien peints, bien nets, avec des molds quasi impeccables. C'est vraiment le top. Donc effectivement, ces masques-là sont plus durs en termes de matière, mais je pense pas que ce soit un handicap en fait. Je pense que voilà, c'est cool qu'ils soient durs. Mais en tout cas, les repros sont vraiment bluffantes. Et donc pour ceux que ça intéresse, que ce soit les repros ou les créations, hein, les blisters, donc. Je mets les liens dans le descriptif de la vidéo, à savoir que vous pouvez vous rendre sur la boutique, mais que vous pouvez également contacter Cliff via l'adresse mail que je mets dans le descriptif, auquel cas vous avez plus de chances d'avoir des prix préférentiels. Voilà. Sur ce, j'ai été très content de passer ce moment en votre compagnie. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas hein, d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de création de Cliff Dagger.
En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.